Coucou tout le monde, nous revoici pour une nouvelle vidéo de Velvet Assassin qui, je le répète, est sortie en 2009 sur PC et Xbox 360. Velvet Assassin est un jeu d'infiltration, action à la troisième personne. Donc voilà, je vais donc recharger la partie sur la mission actuelle. Voilà. Donc j'ai voulu passer, j'ai fait exprès de vouloir passer la cinématique pour gagner un peu de temps par rapport aux vidéos précédentes. Parce que entre le fait que je perde souvent The House of God. Shunzo, where are you hiding? Je perds souvent dans le jeu, les cinématiques sont pas longues, mais bon, comme elles présentent les missions, on peut très bien perdre une minute, deux minutes. Donc après, l'un dans l'autre, je me dis, ben, ça fait toujours deux minutes en moins pour la vidéo, donc... Voilà, donc ça c'est fait. On va s'occuper... On va s'occuper de Jean-Louis, qui veut regarder la tour Eiffel. Alors ça c'est marrant parce qu'en fait cette mission là j'ai refait le début tout à l'heure, et là les mises à mort, en fait elles sont aléatoires parce que c'était pas du tout les mêmes, et pour les deux hein. Je sais que par exemple là, bon, j'ai poignardé dans le dos comme son confrère à 2 mètres, hein, et en fait, l'autre je l'égorgeais et lui j'arrivais, je le coupais derrière les jambes, et après, qu'est-ce que je faisais? Soit je l'égorgeais ou non, je lui mettais un coup de couteau sur le côté de la tête. Donc voilà, comme quoi. C'est aléatoire les mises à mort et je trouve que c'est vachement bien foutu. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que l'eau, le rendu de l'eau est pas mal. Personnellement, je trouve que le rendu de l'eau est pas mal du tout. Alors, là, qu'est-ce qu'on avait dit? Peut-être un peu plus de temps au niveau morphine, non? C'est pas ça? Putain, sans déconner, ça par contre. Ouais, alors tu penses. Tu parles. Allez. Hey, tiens, il y a Bernard qui est là. I could shoot at the oil pools to set the enemy on fire. Die haben uns gerade noch gefehlt. Was soll's? So wie die Lage steht, brauchen wir jeden Mann. Auch fremdvölkische Einheiten. Ja, jeden Mann, aber nicht jede Männer. Man merkt gleich, dass du noch neu bist. Ich hab schon viele gesehen mit so einer großen Klappe wie du. Ich bin schon tot. Du siehst doch aus. Siehst du, dass du wenigstens etwas lebendig. Bon, alors en fait, là, il y a plusieurs méthodes. Je vous explique. Il y a des flaques de je sais plus d'essence ou. Enfin bon bref. On peut tirer dessus, le mec s'enflamme. Maintenant que j'ai éteint que j'ai pété le fusible, la lumière qui était au-dessus du transistor là-bas, la radio, hein, que je pointe là avec mon arme, ça c'est la radio, il y avait une lumière là juste au-dessus, donc en pétant le fusible, ça a pété la lumière, donc tac, du coup, le transistor est dans l'obscurité, et moi je pourrais passer à côté, éteindre comme rallumer la radio, n'est-ce pas? Bon.
Lui, le clampin. Alors, lui, le clampin, c'est soit je passe dans son dos, tranquille, ou je l'enflamme. Voilà. Tac. Mais je me dis qu'une petite mise à mort comme ça, c'est toujours classe. Attends, minute, je vais quand même pas compte aller chercher un truc, là. Voilà. Et puis, en plus de ça, il n'y a même pas besoin de le cacher. Parce que l'autre... Je vais lui baiser la gueule, autrement. Alors, par contre, faut pas que je fasse la connerie de passer ici, là. Parce que... Ici, là. Hein, parce qu'il y a de la lumière, quand même. Faut pas être con non plus. On va passer là, tranquille. Et ensuite, on va peut-être allumer la radio pour faire genre, quoi, hein. Bien sûr, monsieur. Mais que se passe-t-il donc? Et voilà. Mais que s'est-il passé, monsieur? Bah voilà, j'ai cramé le gars, donc histoire de vous montrer un petit peu plusieurs approches, parce que j'aurais très bien pu ne pas le cramer et arriver dans son dos. Enfin bon, voilà, il y a quand même plusieurs, y a quand même plusieurs approches. Bon, même si le jeu il reste assez basique, bah mine de rien, il y a quand même plusieurs approches. Voilà, donc ça c'est quand même toujours intéressant. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. L'autre, par contre, je sais plus. Je sais plus où est-ce qu'il est. Il y a tellement longtemps que j'ai pas fait la mission. Ah, t'es là! T'es là, quoi. Ah, mais merde, je peux pas passer par là. Est-ce que je peux passer par là? Ah, bah. C'est un peu con, ça, quand même. On peut même pas passer par là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Regardez s'il n'y a pas... Une... comment ça s'appelle? Un truc caché, quoi, en fait. Ah, mais oui! J'ai oublié que je pouvais me cacher là-dedans si je le voulais. Et voilà. Ça, c'est rigolo, hein. Bon, le truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas l'animation pour entrer et sortir. Bon, c'est quand même un strict minimum, mais bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Cassos. Donc ça voilà. Donc là les deux clampins, ça va pas être compliqué de les... Alors ça, le fusible, c'est pour péter la lumière qui est juste là. Hop, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Non, non, ça c'est quoi ça? Équipe de secours, non, santé au complet, c'est bon. Donc ça voilà. Ah putain, mais c'est pas vrai! Sans déconner, mais c'est pas vrai ça! Mais t'y crois pas? Mais t'y crois pas! Mais c'est incroyable un truc pareil! Oh là là! Ah putain, il me ramène là lui! Oh non! T'as même dit pas ça? Putain, c'est pas possible ça! Histoire de ça jouer un petit peu façon bourrine. Ah là 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 là. Ah là, cela jouer bourrin, c'est quand même pas évident. Mais bon, c'est ça qui est bien dans ce jeu là, c'est qu'il est orienté infiltration quoi. Donc on peut pas lui enlever ça quoi. Faut reconnaître. Tout simplement. Quel con! Je fais n'importe quoi. J'ai mis un coup de lampe torche. Ça les a fait venir. Mais je fais n'importe quoi. Hein. Vraiment. Hein. Parce que je fais n'importe quoi. Ah mais ouais, mais bon, c'est ça qui est bon. Je voulais tester un autre truc. En fait, je suis pas arrivé assez vite derrière lui, en fait. Putain, c'est ça qui est chiant, en fait.
Je suis pas arrivé assez vite. C'est ça qui est complètement con, quoi. Puis alors là, il y a des trucs, il y a du verre, il y a du machin, faut pas marcher n'importe où, parce que, voilà, ça pète tes couilles, forcément. On va se foutre ça, on va attendre qu'il passe. Un connard. Hop là, pardon. Alors là, par contre, je suis désolé, hein, le rototo, il est sorti tout seul. C'était pas voulu. Voilà, bah toi, tu nous auras bien cassé les couilles, quand même. Donc en fait, quand on s'y prend bien, on peut aller fumer la gueule de l'autre connard là-bas et s'occuper des deux autres seulement après. Voilà. Contre lui, peut-être que... Parce que je me demande s'il n'y aura pas des mecs après qui vont se ramener. Je me rappelle plus, quoi. Je me rappelle plus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a ce connard aussi qui nous emmerde. Je sais pas où le foutre, ce gros naze. Ouais, je sais pas. On pousse la caisse pour casser le... Comment ça s'appelle? Le fusible. Et parce que je vais aller chercher un truc. Pas casser le fusible, non. Arrêter justement le courjou, là. Donc ça, c'est bon. Enfin, il me semble que c'est ça, non? Je sais plus. Ich
Ich kann es nicht abwarten, Gretel in dieser Uniform zu sehen. Ah ja, ein Grunas. Endlich der Respekt entgegengebracht. Ça c'est fait. Locked. First, I had to find the right key. Locked. First, I had to find the right key. Ah ben, elle était sur lui la clé. Voilà. Ça c'est fait. Et lui, on va peut-être plutôt le foutre. On peut pas le mettre dans l'armoire, ça c'est quand même un peu con. Hein. Alors, par contre, on va servir de l'armoire pour mettre l'inventaire. Il me semble que c'est comme ça qu'on fait, je crois. Voilà. Voilà, il faut qu'on soit caché pour changer de vêtements. Et attention, sans déconner, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme elle pète. Hein ? Elle est pas jolie comme un cœur dans son petit uniforme là quand même. C'est mignon tout ça. Hein. Non mais sérieusement, pour ça le jeu il est bien fait, mais voilà. Ah c'est sympa, hein, c'est sympa. Hein. Et là, hop, et on se rechange. Et voilà la petite Violette, tranquille. Mais de toute façon, on est obligé de prendre les vêtements, donc on y prend. Voilà. Donc là par contre, on est mal barré en fait. Parce que va y avoir des gardes. Et voilà, sauvegarde du contenu.
moyen de l'avoir sans gaspiller une balle, ce connard-là? C'est quand même con, ça. C'est surtout ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien voulu ne pas gaspiller une balle, mais. Parce qu'en fait, bon, moi je l'ai déjà fait en arrivant par là. Il me semble qu'il m'avait repéré, donc. Enfin bref. Après tout, hein, bon, maintenant que j'arrive là, par contre. Là, par contre, c'est chaud, les enfants. Là, c'est chaud, parce qu'il y a un sniper. Faut pas que je me fasse repérer ou je meurs. Donc là, de toute façon, là, le sniper, il m'a vu. Pour l'instant, il dit trop rien. Et moi, je vous le dis, les gars, je suis mal barré. Honnêtement, je suis mal barré. Et voilà, le tour est joué. Le tour est joué. Donc ça va, je peux vous dire que les premières fois, je me suis fait vraiment baiser la gueule. Bon bah écoutez, là, je vais vous laisser sur cette vidéo là, et je vous dis à tout de suite pour la suite. Mais honnêtement, ça se corse, hein. Allez, à tout de suite.